femme, deux hommes, quand la passion l'emporte sur la raison, le pire est à craindre. Elle saignait de partout, quoi. Des yeux, du nez, des oreilles, c'était horrible. Comment Robert aurait pu faire ça, c'est pas possible. Il dit, je suis accusé, je n'y suis pour rien. Je suis parti, elle était encore en vie. Pour moi, c'était logique que c'était lui, ça pouvait être personne d'autre. Evelyne n'avait pas seulement une relation intime avec Robert, mais également avec François. Evelyne aurait pu révéler au grand jour l'existence de leur relation. Et pourquoi veut-il la cacher? Est-ce que ça en fait pas un suspect formidable, ça? Inédit, l'affaire Koutama, c'est dans Enquête criminelle, présentée par Nathalie Renoux et Paul Lefebvre, ce mercredi à 20h50